Écoutez, d'abord, je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière. Après ce qui est arrivé et la mort du jeune Naël, et dire à sa famille toute notre solidarité et l'affection de la nation. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et d'abord, ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Ensuite, la justice a été immédiatement saisie. Je souhaite qu'elle fasse son travail avec, évidemment, célérité et dans le calme que ce travail requiert, et que la vérité puisse être faite dans les meilleurs délais, et que, évidemment, nous soyons tous informés que la justice passe. Aujourd'hui, il y a un choc, un deuil, une colère. C'est à la justice d'y répondre. Je connais l'engagement de nos policiers et de nos gendarmes au quotidien sur le terrain. Ils savent que porter l'uniforme, c'est répondre à un devoir, celui de l'exemplarité. Les images choquantes diffusées hier montrent une intervention qui ne semble manifestement pas conforme aux règles d'engagement de nos forces de l'ordre. La justice devra établir les faits, elle a été saisie, elle a commencé son travail, un policier est en garde à vue. Et je souhaite, comme chacun, que la vérité soit faite le plus rapidement possible et que des réponses soient apportées. La justice passera, personne ne doit en douter. Seule la justice permettra de faire toute la lumière sur ce drame. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux le redire ici, seule la justice est en mesure de pacifier les choses. Et la justice, ça n'est pas ça. Et ça ne peut pas être ça. Ce qui est important, c'est que le calme revienne. Et je veux également redire que certains irresponsables, depuis des mois, utilisent des formules et des mots qui tentent à discréditer la police et la justice. Et ils ont pour moi une responsabilité morale dans ce qui arrive aujourd'hui. Je souhaite vraiment, vraiment que le calme revienne et que ces exactions qui ont eu lieu cette nuit et la nuit précédente fasse l'objet d'une réponse pénale forte.